Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur les coupeurs de feu que je vous avais parlé dans ma vidéo de ma brûlure au deuxième degré au pied. D'ailleurs, qui va très bien, tout est bien remis là. Mon pied est tout beau. Donc du coup, c'est une vidéo très rapide, voilà, pour vous dire que je ne croyais pas du tout aux coupeurs de feu, aux barreurs de feu, on peut les appeler différemment, peu importe. Du coup, en me brûlant et en essayant, je vois bien que ça fonctionne. Tout de suite, dès qu'il m'a brûlé le feu sur ma brûlure, j'ai eu zéro douleur. Après, la douleur est revenue, puisque déjà, je lui ai demandé 12 heures après ma brûlure, et ça a été fait à distance par photo et pas en vrai. Donc, je pense qu'il y a une différence, mais je ne peux pas en témoigner, puisque je n'ai pas essayé les deux. Suite à ça, il s'est occupé de moi pendant 3 jours et donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aidé au niveau de la douleur. J'ai pu travailler le lendemain et le surlendemain de ma brûlure puisque j'avais 2 spectacles de musique juste le lendemain et le surlendemain. Et donc au soleil en plus, c'était pas le mieux, mais bon. Donc voilà, donc grâce à lui, donc je pense que vraiment quand vous brûlez, donc c'est souvent des prières qui sont faites, des choses un petit peu, on va dire avec des croyances et tout ça, mais je pense que c'est plus celui qui croit à son soin qui arrive à aider l'autre, plus que la personne en soi, même si quand on s'est brûlé, on croit un peu à tout parce qu'on a juste envie que la douleur s'arrête parce que c'est insoutenable. Mais je pense que voilà, c'est pas forcément que la croyance de la personne qui s'est brûlée, mais je pense que c'est la croyance aussi de celui qui nous fait le soin, donc du barreur de feu. Donc voilà, donc juste pour vous dire que si jamais vous vous coupez, vous brûlez, pardon, ou que vous avez malheureusement par exemple des chimios, des choses, des inflammations, voilà, ben, je pense que vous pouvez faire appel à un barreur de feu. Souvent les barreurs de feu en plus ne demandent rien en retour. Pour eux, c'est un petit don qu'ils veulent partager gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à en appeler parce que ben, ils sont là pour ça, ils sont là pour aider et soulager les gens. Donc voilà, c'était juste mon petit témoignage pour dire que pour moi ça a fonctionné, malgré le fait que je n'y croyais pas au départ et que ben maintenant je peux que dire qu'en tout cas sur moi ça a fonctionné. Et donc si vous avez besoin, vraiment n'hésitez pas, il y en a peut-être autour de chez vous qui pourra même se déplacer. Moi ça a été fait par photo, mais même par photo ça fonctionne. Donc voilà, à distance aussi. Donc c'était juste pour faire ce petit témoignage et j'aimerais bien moi voir, parce que sur internet il y a des prières qui sont écrites par rapport à ça, voir si un jour il y a quelqu'un qui se brûle, essayer moi aussi de devenir coupeur de feu, enfin en tout cas de voir si ça peut fonctionner du fait que maintenant j'y crois et que je peux peut-être essayer d'aider des gens, peut-être pas du tout, mais au moins j'aimerais bien tester si un jour un de mes proches se brûle, même si je ne souhaite pas du tout, hein. Mais bon, on sait jamais. En tout cas, voilà, j'aimerais bien faire le test pour savoir si tout le monde peut l'être ou pas. Je pense sincèrement que tout le monde peut l'être, donc peut-être je me trompe, on verra bien. En tout cas, j'aimerais bien essayer. Bref, je vais finir sur ça. C'était une vidéo vraiment pour juste vous dire, n'hésitez pas d'appeler les coupeurs de feu en cas de brûlure ou des inflammations ou des choses comme ça qui vous brûlent à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Voilà. Comme ça peut diminuer à la fois la brûlure, la douleur et en même temps récupérer beaucoup mieux et réparer beaucoup mieux derrière. Votre brûlure, en général, la guérison est beaucoup plus rapide. Il y a même des hôpitaux qui font appel à des brûleurs de feu. Donc bref, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous n'hésiterez pas si ça vous arrive un jour. Gros bisous les petits loups! Les coupeurs de feu ne sont donc pas forcément des charlatans, il y en a peut-être, et peut-être que ça peut ne pas fonctionner sur tout le monde. Moi ça a fonctionné, j'espère que sur vous ça fonctionnera également, si vous êtes, dans mon cas, à vous être brûlé quelque part. Et donc je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, et à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse du contenu comme le mien. N'hésitez pas à aller vaquer sur ma chaîne pour savoir ce que je fais. Je fais plein de petits trucs, des petites astuces. Je parle de santé, d'écologie, de jeûne, d'alimentation, de sport un petit peu. Voilà, tout ça. Allez, plein de gros bisous les filles. À bientôt.